الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ أحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر إفادة الملك أنظري لعجزنا والتحضر إفادة في المحضر تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, celui-là même qui ne cesse de parachever sa grâce sur toute sa créature. Il nous a donné ce mois de Ramadan, face à Allah, que nous voyons beaucoup de Ramadan après celui-là. Je vais aussi faire la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et l'émir des prophètes. Celui-là même qui est considéré comme la source de la prophétie, l'entièreté de la prophétie. Et les autres prophètes tirent leur source de son essence. J'ai automatiquement aussi demandé l'agrément de Dieu pour tous les amis de Dieu, pour notre grand maître, Cheikh Ahmed Tijani, sceau des saints, celui que Dieu a élevé au plus grand niveau de la sainteté. Et demander l'agrément de Dieu pour tous et pour l'affaire, donc ses représentants, mais m'appesantir sur la personne de Cheikh Ibrahim Agnès radiyallahu ta'ala anhu, qui est notre porte d'entrée vers Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhum ajma'in. Avant tout propos, j'aimerais dire merci à la RICAFSI. RICAFSI, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Notre président El Hadj Bakayoko on nous a tenu un discours formidable qui pour moi aurait pu prendre place même de la conférence que nous allons donner tout à l'heure. Tellement le discours était riche d'enseignements lui-même. Alors à ce titre-là, je lui dis grand merci et à tous ses collaborateurs. Je remercie également El Hadj Madani qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Le mois de Ramadan est un mois de grâce. Et Dieu nous fait grâce quand El Hadj Badani nous reçoit chez lui. Je ne connais pas son épouse. Tout à l'heure, j'ai vu mon frère dire merci à son épouse. Alors moi aussi, j'aimerais bien lui dire merci, Inch'Allah. Où elle est? Voilà, barakallah, Inch'Allah. Inche. C'est comme ça qu'on fait les présentations. Alhamdulillah. Sinon, c'est une présentation forcée. Mais Allah kabarakallah, Inch'Allah. J'aimerais dire merci à mon président, El Hadj Mti, pour cette belle conférence qu'il a donnée. À un moment, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit que peut-être qu'on ne pourra plus avoir quelque chose à manger encore. Heureusement qu'il a dit qu'il faut essayer de faire cuire ces poissons-là à la vapeur. Inch'Allah, il faut nous donner les moyens pour acheter les moyens de cuire les poissons à la vapeur. Inch'Allah. Donc, à la canne demain. Inch'Allah. Sinon, j'aime bien les poissons. Et j'ai mangé beaucoup de poissons à la braise. Et du coup, je ne dois plus manger un thé. Alors, Cheikh Amin, lui, il aime beaucoup de poissons fumés. Ok, que Dieu nous aide. Inch'Allah. Mais je pense qu'avec ta permission, MT, tu vas nous permettre de basculer vers le spirituel. Voilà, nous sommes quittés vers le physique. On va aller un peu vers le spirituel, Inch'Allah. Peut-être là-bas,
on pourrait joindre l'utile à l'agréable. Alors je dis aussi merci à toutes ces personnes là qui ont bien voulu nous soutenir en venant si nombreux ici, Inch'Allah. Prie Allah subhanahu wa ta'ala que tous les vœux soient exaucés au sorti de cette conférence là. Allah kambe demain. Alors ainsi je m'introduis en disant que le tout puissant Allah, il est grand souvent de par sa subtilité. Souvent il passe inaperçu alors qu'il est là. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit qu'il y a trois types d'épreuves. Ces trois types d'épreuves là souvent sont des épreuves subtiles. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte quelles sont dans ces épreuves là. Le premier type d'épreuve, c'est d'avoir la connaissance et le savoir, mais ne point poser des actes par rapport à son savoir. Il y a beaucoup de personnes qui jouissent d'une grande connaissance, qui jouissent d'un grand savoir. Ce savoir-là est à ce niveau-là. Il n'est pas encore descendu à ce niveau-là, ici, quel cœur. Et ces personnes ne profitent pas réellement de leur savoir. Et ainsi, ces personnes pensent qu'elles savent, mais en même temps, elles sont éprouvées de par leur savoir. Comme un âne qui a un fardeau sur lui. Que Dieu nous tire de ce type d'épreuve-là. La deuxième épreuve, c'est des personnes qui savent, mais qui parviennent à poser des actes vis-à-vis de leur savoir. Mais cependant, ces personnes ne sont pas sincères quand elles posent des actes. Tu vois la personne remplie de connaissances, il va toujours à la mosquée, il pose des actes, il applique ce que sa connaissance lui inclut de faire, mais en même temps il ne le fait pas pour Dieu. On ne peut pas prétendre une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand l'acte n'est pas posé pour Dieu. Alors nous prions Allah qu'il nous donne la sincérité dans tout ce que nous faisons. Sans sincérité, même la prière n'a aucune valeur. À plus forte raison, les jeunes que nous sommes en train d'observer. Troisième type d'épreuve, c'est que Dieu vous montre ses amis sur terre. Et Dieu sait qu'il a beaucoup d'amis sur terre. Et en même temps, parmi nous, nous parvenons à savoir que celui-là, il a un comportement qui frise l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent même, nous sommes convaincus que c'est un ami de Dieu. Mais cependant, nous sommes incapables de le suivre. Oui, c'est un ami de Dieu. Mais le monde nous arrache de ces personnes-là. Les biens de ce monde nous arrachent de ces personnes-là. On a l'impression que nous avons toujours le temps. On se dit, oui, il n'y a pas de problème, je sais que c'est un ami de Dieu. Mais Inch'Allah, après je viendrai. Après je viendrai, comme si nous avons la garantie de vivre jusqu'à demain. Et ainsi, on passe tout le temps à remettre à plus tard, jusqu'à ce que la mort nous fauche. Mes frères et sœurs, sachez que nous n'avons pas le temps. Et personne n'aura le temps. La garantie de vivre jusqu'à demain, personne ne l'a. Ne remets jamais le travail d'aujourd'hui à demain. Ne remets jamais le travail d'aujourd'hui à demain. Allah kafama kou madama. Et comme vous le savez très bien, nous sommes dans un mois sacré. Et nous allons traiter du thème la vision du jeûne par le connaissant de Dieu. La vision du jeûne par le connaissant de Dieu. Alors nous avons dans ce thème là le connaissant de Dieu. Et nous avons aussi le jeûne. Il est important pour nous d'apporter d'abord l'approche définitionnelle d'abord. Qui est connaissant de Dieu? Qui est connaissant de Dieu d'abord? Alors pour cela nous allons faire un petit retour vers le premier hadith, ou bien le hadith qui constitue la base de tous les hadiths, la mère de tous les hadiths, appelé hadith sous Jibril. Vous savez, dans Tirmizi, qui est un recueil de hadiths,
L'imam Tirmidhi nous dit que Sidna Omar ibn Khattab nous raconte un fait qui s'est produit pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que pendant que nous étions avec le prophète Mohammed, pendant que nous étions assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui fait apparition. Et personne ne le connaissait parmi nous. Ses habits étaient d'une blancheur impressionnante. Ses cheveux étaient d'une noirceur impressionnante. Et nul ne le connaissait parmi nous. Il vient, il s'assoit aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la position d'un disciple à côté de son maître. Et il pose ses questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: oh messager d'Allah, dis-moi, l'islam c'est quoi? Le prophète répond à cette question. Il réplique encore: dis-moi, la foi c'est quoi? Le prophète Mohammed répond à cette question. Et il va finir en disant: dis-moi, l'excellence dans l'adoration, qu'est-ce que c'est? En langue arabe, al-ihsanu, ma huwa al-ihsanu. Et le prophète lui dit: anta'abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. J'ai pris le temps d'expliquer tout le hadith jusqu'à ce point-là, parce que ce qui m'intéresse en réalité, c'est ce point essentiel: l'excellence dans l'adoration de Dieu. Je reviens là-dessus. L'excellence dans l'adoration de Dieu. Je reviens une autre fois. L'excellence dans l'adoration de Dieu. La répétition est pédagogique. Et je vais faire en sorte que cela soit gravé dans la mémoire de tout un chacun. L'excellence dans l'adoration de Dieu. J'ai dit cela, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'il faut adorer Dieu comme tu le veux. Dieu n'est pas ce type de Seigneur-là. Qu'on va vers lui comme on veut et qu'on parvient à l'atteindre comme on veut. Regardez dans ce pays-là même, on ne va pas vers le président de la République comme on veut. Et quand il arrive dans un milieu, il y a des dispositions à prendre. Alors Dieu, c'est lui qui a créé tous ces chefs d'État. Alors donc, je reviens là-dessus encore, l'excellence dans l'adoration, c'est à partir de là que nous allons parler du connaissant de Dieu. Le prophète a répondu à ce monsieur-là, dont tout le monde ignorait l'identité. Il lui a dit: l'excellence dans l'adoration de Dieu, c'est adorer Dieu comme si on le voyait. Adorer Dieu comme si on le voyait. Mais si on est conscient qu'on ne voit pas Dieu, alors qu'on soit conscient que Dieu nous regarde. Si on pense qu'on n'a pas les moyens de voir Dieu, qu'on soit conscient que Dieu nous regarde. Ça fait quoi? Ça fait deux dimensions. La dimension de contempler Dieu dans son adoration. Adore Dieu comme si tu le vois. La deuxième dimension, c'est savoir que Dieu est aux aguets, il te regarde, il t'observe. En langue arabe, on appelle ces deux dimensions al-mushahada ou al-muraqaba. Al-mushahada qui est contempler Dieu. Al-muraqaba, c'est de savoir et être conscient que Dieu te regarde. Aujourd'hui, ce qui manque à cette communauté, ce sont ces deux dimensions-là. Les musulmans agissent, mais pas comme si Dieu les regardait. Regardez un peu nos comportements. Nous pensons, voilà, nous passons le temps à dire que nous sommes la meilleure communauté. Mais on agit comme si Dieu était absent. On agit comme si Dieu était absent. Voilà pourquoi on se cache pour faire beaucoup de conneries. On agit, et à cela je me rappelle d'une petite histoire. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je reviens là-dessus. Un bédouin va voir un grand chef dans une mosquée. Il lui dit: moi j'ai fauté, j'ai péché, j'aimerais que tu me donnes des informations. Est-ce que Dieu peut-il me pardonner? Le chef lui dit:
il n'y a aucun problème. Si tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne. Et Dieu fait mieux que ça. Non seulement il te pardonne, mais il transforme tous tes péchés en mérite. Regarde-toi et sois sûr que tu as péché quelque part toi aussi. Et si tu étais dans le désarroi de savoir si Dieu te pardonne, alors je suis en train de te dire que Dieu te pardonne à une condition que tu acceptes de te repentir sincèrement. Lui, il a accepté de se repentir sincèrement. Et au sorti de la mosquée, il était content, Dieu te pardonne, il te transforme tes péchés en mérite. Mais au sorti de la mosquée, il marque un petit temps d'arrêt. Et du coup, son visage se transforme. Il revient vers le cheikh. Il lui pose la question. Cheikh, je veux savoir, quand j'étais en train de pécher là, est-ce que Dieu m'avait vu? Est-ce que Dieu me regardait? Le cheikh dit, mais pourquoi pas? Dieu voit tout. Certainement, il t'a vu quand tu le péchais. Alors, c'est ça qui a créé le déclic dans le cœur de ce monsieur-là. Il n'a pas pu supporter le regard de Dieu. Il dit qu'il me regardait alors que moi je péchais. Il me regardait alors que moi je péchais. Il a crié, wa sawatahu wa in afauta. Il dit, quel vilain acte de moi, même si tu m'as pardonné. Même si tu m'as pardonné, cet acte-là est un acte ignoble. Et je n'arrive plus à supporter le poids de ton regard. Il a passé ces jours-là toute la nuit à prier et il en est mort. Il est mort. Qu'est-ce que s'est passé? Il venait d'atteindre une dimension spirituelle. De comprendre et être conscient que Dieu le regarde. Laquelle dimension nous n'avons pas ici? Parce que nous passons toute notre vie à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Et puis c'est comme si ça fait rien. On continue de vivre comme ça, ça fait rien. Comme si nous avons une garantie que Dieu nous pardonnera. Donc je vais vers la deuxième dimension qui est être conscient que Dieu te regarde. Et à ce titre-là, le prophète Mohammed nous dit dans un hadith sur le Qudsi, il dit, ô serviteur, c'est Dieu qui parle à ses serviteurs. Il dit, si vous pensez que je ne vous vois pas, cela est dû à la petitesse de votre foi. Et parmi nous, il y a des gens qui pensent que Dieu ne le voit pas. C'est malheureux, mais quand même, ils existent. Même s'ils sont peu, même si souvent c'est des Koulibaly, des Ouattara, mais ils sont très peu. Il dit, si tu penses que je ne te vois pas, cela est dû à la petitesse de ta foi. Mais si tu penses que je te vois, pourquoi as-tu minimisé mon regard? Pourquoi as-tu minimisé mon regard? Alors donc la question est déjà posée, qui est connaissant de Dieu? Le connaissant de Dieu, d'après les grands maîtres soufis, d'après les grands maîtres soufis qui nous ont précédés, qui ont même précédé la tariqa Tijaniya, ces grands maîtres disaient que le connaissant de Dieu est celui-là, man la yuhjubuhu farquhu an jam'ihi wa la jam'uhu an farqihi. On revient en français. Ils disent que celui-là qui atteint une dimension d'adoration et il a joint son cœur dans son adoration, parce que très souvent c'est notre corps physique qui adore Dieu, notre cœur est très éloigné de Dieu. Celui qui parvient à joindre les deux, le corps et l'esprit, dans son adoration de Dieu, de sorte à ne voir que Dieu, mais tout en étant conscient des recommandations de Dieu, on dit que celui-là est connaissant de Dieu. Quand il voit Dieu, tout est anéanti, même sa propre personne. Celui qui est dans cet état-là, il est connaissant de Dieu, mais en même temps, même si tout est anéanti, il est conscient de sa prière. Il est conscient de son jeûne. Il est conscient de son pèlerinage. Il est conscient de sa zakat. Parce qu'il y a des personnes étant anéanties en Dieu qui ne sont pas conscients de toutes ces choses-là. On a des personnes qui ont prétendu à la connaissance de Dieu qui ne prient plus.
On a des personnes qui ont prétendu à la connaissance de Dieu, non. qui ne gênent plus, non. qui ne vont pas faire le pèlerinage. Ceux-là ne sont pas connaissants de Dieu, ceux-là sont frappés par la lèpre spirituelle. Oh, c'est vrai. Il y a des lépreux spirituels. Celui qui prétend atteindre l'anéantissement en Dieu et ne plus voir les recommandations de Dieu, non. qui se croit que tout est permis pour lui, non. il est malade. Et il y a des gens qui sont vraiment malades. Quant à Cheikh Ibrahim Anias, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le connaissant de Dieu, il dit « Huwa rusukh ruhi fi hadratil mushahada » Il dit « Atteindre Dieu jusqu'à connaître Dieu, c'est être ferme dans sa compréhension de Dieu. Tu contemples Dieu et tu ne fléchis aucunement. Quel que soit ce qui se passe autour de toi pour te distraire, ton cœur est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut te distraire de Dieu. Ton cœur ne voit que Dieu. Pour Cheikh Ibrahim Agnès, celui-là, il est connaissant de Dieu. Et je vous jure que ce n'est pas facile. Quand on regarde le plateau, et puis on ne veut plus voir le plateau, on veut voir que Dieu. Quand on regarde son épouse qu'on aime bien, et qu'on veut aller au-delà d'elle pour voir Dieu. Quand on voit ses enfants qu'on aime bien, on veut aller au-delà de ses enfants pour ne voir que Dieu. Quand on regarde son travail qu'on aime bien, son poste qu'on aime bien, sa position dans la vie qu'on aime bien, toutes ces choses-là deviennent des barrières qui nous empêchent de voir Dieu. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il dit que laula anna shayatina yahumuna hawla al-Ka'ba la nazara ibn Adama ila malakut Allah. Il dit que n'eût été les satans qui gravitent autour du cœur du serviteur, il aurait pu regarder le royaume de Dieu, le royaume céleste avec ses yeux. Quand nous regardons et que nous ne voyons pas le royaume céleste, alors il y a un problème. Le connaissant de Dieu sort de cette catégorie de personnes-là. Les Satan ne tourne pas autour de son cœur. Donc en un mot, on comprend là le connaissant de Dieu, c'est celui-là qui parvient à contempler Dieu et de manière éternelle. Et qui est conscient que Dieu le regarde. Mais c'est bien évident, quand tu parviens à regarder Dieu, tu sais que Dieu te regarde. Mais quand tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas être conscient que Dieu te regarde. Alors cette dimension-là, qui relève de la troisième dimension de l'islam, après l'islam, après l'iman qui est la foi, va se noyer dans la dernière dimension qui est l'ihsan, la maîtrise de l'adoration et l'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis et j'insiste là-dessus, celui qui adore Dieu de par une adoration excellente, Dieu l'aime. Celui qui va vers Dieu avec une adoration médiocre pourrait passer à côté. En réalité, quand l'ange a commencé à citer l'islam, l'iman, l'ihsan, quand il a atteint la troisième dimension, il n'a plus rien dit au-delà. C'est comme s'il était en train de nous dire que la véritable adoration n'est possible que lorsqu'il y a excellence dans l'adoration. Et que les deux dimensions préparatoires ne sont que des dimensions préparatoires, comme je l'ai dit. Mais elles doivent nous permettre de nous anéantir dans la dernière dimension qui est l'excellence dans l'adoration. Vous savez, le mot connaissant de Dieu pourrait être défini plus que cela. Parce que chaque saint a essayé de définir le mot connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je pense que le résumé de tout ce que nous pourrions dire se retrouve dans cette dimension que nous avons tout à l'heure dit. Être anéanti en Dieu, ne voir que Dieu, je ne parle pas de la vision des deux yeux, mais surtout du cœur, le cœur. Et quand je parle de ça, automatiquement nous allons plonger vers le jeûne. Parce que Dieu nous dit dans le Coran,
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le jeûne vous a été prescrit. Parlant à ceux qui ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été fait aux peuples qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Et vous savez, le jeûne a été révélé à la 15e année après la révélation du Coran. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à Médine 13 et à la Mecque 13 ans. Après son immigration à la Mecque de 3 ans, le jeûne a été révélé. D'abord, c'était la double attestation de foi. Ensuite est venue la prière. Ensuite est venue la zakat. Et puis finalement, le jeûne est venu en quatrième position. C'est après le jeûne que le hajj est arrivé dans cette religion que nous aimons bien, qu'est l'islam. Alors, le jeûne en islam a plusieurs dimensions. Si nous avons très bien compris le hadith que j'ai tantôt cité, qui est le hadith de Djibril, où Djibril lui-même a classé les adorateurs en trois grands groupes. Le musulman tout simple, qui passe le temps à prier, dont le cœur n'intervient pas beaucoup dans ses actes d'adoration. Et le musulman qui a une partie de la foi, mais cette foi n'est pas encore une foi clairvoyante. Tous ceux-là sont des musulmans. Et le musulman qui a atteint le paroxysme de la foi, qui est noyé dans l'excellence de l'adoration. Alors donc celui-là, ces trois catégories de personnes-là ne jeûnent pas de la même manière. Le premier jeûneur, lui, il a un sens qu'il donne au jeûne, qui est le musulman tout court. Et pour lui, le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire, d'aller vers son plaisir charnel depuis l'aube jusqu'au tombé de la nuit. Celui-là qui observe cela, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'accouple pas avec son épouse depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, celui-là aura jeûné. Mais vous remarquerez que son jeûne prendra fin que lorsque l'obscurité entrera. Ça veut dire vers le cours de 18h30, il aura fini de jeûner. Et comme il a fini de jeûner, alors il s'adonne à tous les plaisirs. C'est un type de jeûne. Mais n'oubliez pas que le sens même profond du jeûne, c'est l'abstinence. Se priver. Se priver de quoi? Le deuxième jeûneur, lui, il est celui-là qui met à contribution, au-delà de son ventre et son plaisir charnel, tous ses sens extérieurs, ses yeux. Il ne regarde aucunement ce que Dieu a interdit. Et lui-là n'est pas connaissant de Dieu. Il est sur la voie de la connaissance. Il ne dit pas ce que Dieu n'aime pas. Il ne va pas vers des endroits où Dieu n'aime pas. Il n'écoute pas ce que Dieu n'aime pas. Alors donc lui, avec son ventre et son plaisir charnel, c'est ses sens extérieurs qui ont gêné avec lui. Voilà pourquoi le verset nous dit clairement, Kutiba alaykumu siyamu. Le jeûne vous a été prescrit. Pour celui-là qui n'a pas encore atteint certaines dimensions dans la spiritualité, penserait que ici là c'est une adresse à l'humanité tout entière. Oui, bien entendu, c'est une adresse à l'humanité tout entière. Mais en même temps, celui qui est pénétré des dimensions spirituelles comprend que lui-même constitue déjà un monde. Ces sens extérieurs-là sont considérés comme des personnes. Ses yeux sont considérés comme une personne. Son nu est considéré comme une autre personne. Son plaisir est considéré comme une personne. Et tout son être constitue des millions de personnes. Et le verset s'adresse à toutes ces personnes-là. Le jeûne vous a été prescrit, vous tous. Je m'adresse aux yeux-là. Je m'adresse à lui-là. Je m'adresse au langage-là. Je m'adresse à ton corps tout entier. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédé. Donc, automatiquement, il met à contribution toutes les personnes de son être. Mais lui, il se limite à ce niveau-là. Et voilà pourquoi celui qui jeûne à ce niveau-là, qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne fait un voyage vers Dieu. Mais cette personne n'a pas encore atteint Dieu.
La troisième dimension du jeûne, qui est le jeûne excellent, et c'est ce que nous recherchons, et c'est ce qui constitue le véritable jeûne de l'homme excellent, dont le connaissant de Dieu, d'où vient et d'où est tiré le thème de notre conférence, la vision du jeûne par le connaissant de Dieu. Le connaissant de Dieu se trouve dans cette classe-là. D'abord, pour lui, le jeûne est Rubul Iman. Rubul Iman veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que As-sabru nisful iman. La patience est la moitié de la foi. Et il nous dit que As-sawmu nisful sabr. Il dit, mais quant au jeûne, le jeûne est la moitié de la patience. Donc celui-là comprend que le jeûne est le quart de la foi. Le jeûne est le quart de la foi. Mais quand vous regardez même, le jeûne est venu comme quatrième plié à partir des cinq pliés. La double attestation de foi, la prière quotidienne, la zakat et le jeûne. C'est le quart de la foi. Celui qui a pu jeûner correctement, alors la personne aura réuni à son sein le quart de la foi. Et la foi n'est pas une petite chose. C'est la foi qui fait que l'être humain devient prophète. On n'a jamais vu un prophète mécréant. Ou bien vous l'avez vu une fois. On n'a jamais vu un prophète, voilà, un saint homme mécréant. On n'a jamais vu un musulman mécréant. Même si la dose de la foi, elle est petite, alors à cause de cette petitesse de foi-là, on dit qu'il est musulman. Donc la foi est très très importante. D'ailleurs même, tous les actes cultuels que nous faisons, si elles sont dépourvues de foi, automatiquement, nous ne sommes pas en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne seul constitue le quart de toute la foi. Mais le jeûneur connaissant de Dieu va au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde d'abord le mois du Ramadan. Et c'est celui-là qui ne dit pas Ramadan. Il dit toujours le mois de Ramadan. Parce que Dieu dit dans le Coran, Shaharu Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Il dit le mois de Ramadan qui a vu la descente du Coran. D'ailleurs, même tous les livres révélés ont été révélés pendant le mois de Karim. Mais le prophète nous dit La taqulu Ramadan. Ne dites pas Ramadan. Dites plutôt le mois de Ramadan. Il dit parce que Ramadan est un nom de Dieu. Ramadan est un nom de Dieu. Mais regardez, le Tout-Puissant joint le mois-là à lui-même. Il dit le mois de Ramadan, comme s'il voulait dire le mois de Dieu. Ça, c'est pas un honneur, ça. Le mois de Dieu. Vous savez pourquoi c'est le mois de Dieu? Parce que dans ce mois-là, celui qui a adoré Dieu de manière excellente, qui est dans la troisième catégorie, là, lui, il met à contribution ses sens cachés. Et ses sens cachés sont lesquels? Son mystère. En tout un chacun, il y a un mystère, à tel point que nous nous exprimons, nous disons que Adam a dit tout l'encabant. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous que nous ne connaissons pas. Morobe, tu es conscient que Kodo Bila Moshitado, Ali Retado. Le soufi n'a pas cherché par quatre chemins. Il dit que c'est le mystère qui existe en tout un chacun. Ce mystère-là, il est là avant même ton âme. Ils ont appelé ça Rouhou. Le jeûneur qui connaît Dieu fait en sorte que son mystère même jeûne. Comment cela peut-il se faire? Moi-même, je ne connais pas. Il va. Son deuxième sens caché, qui est son âme, on appelle ça Arou. Il fait en sorte que son âme aussi jeûne. Il va au-delà de ça. Le troisième sens caché en lui, qui est Al-Aql, qui est l'intellect, il fait en sorte que son intellect jeûne. Il va au-delà de ça, il fait en sorte que son cœur jeûne. Et pour finir, son corps accompagne tout cela. Donc, ces sens cachés, qu'on appelle les cinq sens cachés, vont jeûner avec lui. Mais en même temps, comme c'est le mois de Dieu, Dieu dit dans le Coran, voilà, dans un hadith, il dit « Asawmu li ».
Le jeûne est mien. Vous savez ce que cela veut dire? Le jeûne est mien. Ou ana agizibi. Et je suis moi-même la récompense du jeûneur. Le jeûne est mien. Et je suis moi-même la récompense du jeûneur. Parce que celui-là qui parvient à mettre à contribution tous ses sens cachés, il veut que son intellect ne tourne qu'autour de Dieu. Que son cœur ne voit que le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que son mystère n'a pour trône que Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, cette personne ne peut voir que Dieu. Voyez-vous que quand quelqu'un ne voit que Dieu, la personne ne peut plus tirer plaisir dans une autre chose en dehors de Dieu. Donc de ce fait, Dieu devient automatiquement sa récompense. Et Dieu a été clair, le jeûne est mien. Parce que c'est le seul acte cultuel qui prouve la sincérité de celui qui l'accomplit. Quand tu pries, tu peux prier pour le jeûne, pour que les gens voient que tu pries. Mais celui qui jeûne en réalité, seul Dieu sait s'il jeûne réellement. Aucun homme ne peut dire que celui-là a jeûné, puisque devant toi, il ne mange pas. S'il mange ou il ne mange pas, s'il se cache pour boire ou il ne boit pas, c'est seul Dieu qui le sait. Donc de ces faits-là, le jeûne-là, seul Dieu est aux aguets vis-à-vis du jeûneur. C'est lui seul qui sait si le jeûneur a gêné vraiment ou pas. Donc ainsi, c'est le seul acte qui, de sa forme apparente, nous montre la sincérité du serviteur vis-à-vis de Dieu. Exactement. Raison pour laquelle Dieu dit que le jeûne est mien. Asawmu li wa ana agizi bihi. Je suis moi-même la récompense du jeûneur. Alors comme il est la récompense du jeûneur, il a créé dans le paradis un lieu ou un temple qu'on appelle Rayyan. C'est une grande entrée. Il dit seuls les jeûneurs sont récompensés par leur passage à travers ces grands portails-là. Là-bas, le jeûneur seul peut parvenir à Allah à travers cette dimension spirituelle. Alors donc, on poursuit. On va vers cette dimension-là du jeûneur qui a mis à contribution son âme. Et ici-là, le jeûneur, quand il jeûne, il doit comprendre, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Nias, radiallahu ta'ala anhu, traduisant un fait et un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète dit, « Ya ayyuhannas, ô vous hommes, que sachez que votre Seigneur Allah a des moments où il fait montre de sa générosité. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradoula. Votre Seigneur Dieu est rempli de générosité. Mais il y a des moments précis où il fait montre de plus de générosité. Alors exposez-vous à cette générosité. Le jeûneur, lui, quand il commence le mois de Ramadan, il voit l'entièreté de moi là comme un moment où Dieu fera montre d'une plus grande générosité en rachetant la plupart des personnes. C'est comme si c'est le plus grand commerçant du quartier. Ses produits sont les produits de marque. Alors il fait un grand solde. Les produits qui coûtent 100 000 francs, il les diminue jusqu'à 10 000 francs. Regardez bien quelqu'un qui est très riche, qui parvient à être généreux à cette dimension-là. Alors allez penser vers Dieu qui est au-delà de toutes les générosités, parce que lui-même est la générosité. Celui aujourd'hui maintenant qui devient le grand soldeur. Il est le grand soldeur. Mais qu'est-ce qu'il met à notre profit? Le paradis pour ceux-là qui n'ont vu que le paradis, ou bien son propre être pour ceux-là qui ont pu adorer Dieu de manière excellente. Il dit regardez, tout c'est simple. Parce que dans ce mois précis, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Même les démons sont ligotés, sont enchaînés. C'est comme s'il nous disait, tout est facile maintenant. Venez et servez-vous. Mais la condition, c'est jeûner seulement. Parce que même quand tu vas chez le grand soldeur, tu vas quand même donner une petite contribution. Dieu devient le grand soldeur et cette nafahatul ilahiyya, cette dimension de générosité immense, constitue tout le mois de Ramadan.
Voilà pourquoi Baïnès, notre grand chef, disait que quand le prophète a dit « Izara aïtumuhu fa soumou »« Wa izara aïtumuhu fa aftiro » Il dit « Lorsque vous l'aurez observé, jeûné. » Observez quoi? Chez le jeûneur du commun du mortel, lui, il ne voit là que l'observation du croissant lunaire. Quand il voit le croissant lunaire, ça veut dire que le mois de Ramadan a commencé pour lui. C'est une compréhension. Mais pour le connaissant de Dieu, pour lui, c'est l'apparition des réalités divines. Dès l'instant qu'il observe ces réalités divines dans son cœur, sinon dans le ciel de son cœur, alors en ce moment-là, il s'arrête de n'observer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, quand il voit ce croissant lunaire divin là en lui, alors en ce moment-là, il sait qu'il ne faut voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès l'instant que nous sommes dans un monde de Dieu, où Dieu lui-même est le croissant lunaire, alors en ce moment-là, tout est facile. C'est ainsi que les cheikhs disent « Wama ramadana illa soukin qama summan qadda rabiha fihi man rabiha wa khasira fihi man khasira » Il dit que le Ramadan n'est rien d'autre qu'un grand marché. Ce marché a été établi. Mais on profitait de ce marché-là, ceux qui ont été très sages. Et ont été perdants, ceux qui se sont détournés de profondeur dans leur compréhension vis-à-vis de ce mois de Ramadan qui est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on a là quelques petites informations sur le connaissant de Dieu, sur comment jeûner en mettant à contribution toutes ces dimensions apparentes et cachées, et comment voir l'apparition du mois de Ramadan comme l'apparition des réalités divines qui doivent te permettre de ne voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui parvient à pénétrer ces dimensions-là, la personne est un connaissant de Dieu, et cette personne aura jeûné, et la fin de son jeûne introduit la vision de Dieu. Le jeûneur qui s'est abstenu de manger et de boire, lui, sa fin, la fin de son jeûne, c'est la tombée de la nuit, quand il commence à manger. Alors que l'autre, la fin de son jeûne, c'est l'introduire à ne voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que son cœur ne tournait qu'autour de ça. Et celui qui commence à voir Dieu, son jeûne devient un jeûne éternel. C'est-à-dire même au-delà du mois de Ramadan, Dieu est là. Et Dieu est éternel. Lui, il est toujours en jeûne. Parce que son cœur a jeûné de ne voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, je vais m'arrêter. C'est bon? Inch'Allah. Quand il est à la fin, 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 à la f